Putain, on devrait être au bar là en train de boire des pintes, sérieux. Pouah, j'ai envie de me flinguer. Bon, allez, petite pougnette. À nous deux, Mia. Alors, Pornhub, mon classique, ces vidéos, saut 2012. XN, non, Pornhub. Un petit cul d'Ewen là hey. Non, tu kiffes, non. Bon, allez, YouPorn classique. Bonjour, je vais voir grandir la taille de votre pénis. Mais je rigole, enculé. Conformément à l'article 64.8 alinéa B, vous avez été en violation du droit aux données pornographiques en indiquant que vous étiez âgé de plus de 18 ans le 12 juin 2011. Et en recherchant les données suivantes, Emma Watson nu, Emma Watson sain, Emma Watson levrette, Emma Watson triple. Étant donné que vous avez obtenu les félicitations à tous les trimestres de votre lycée, mais j'étais chaud, je vous laisse le choix suivant. Continuez et vous serez condamné à vivre dans votre glorieux passé sans jamais pouvoir y goûter. Mauvaise idée. Hein. Deuxième choix, arrêtez de vous branler et profitez des joies carabineuses. Allez, tiens, c'est cadeau. On bat les couilles, frère. Oh. Ah la vache, je me sens pas bien. Putain, j'ai mal à la tête aussi. Pourquoi tu me regardes, toi? Oh! C'est quoi ce bordel? Diantre, quelle est cette sorcellerie? Sarah m'a dit ouais, c'est un pote du goût et tout. Oh la dinguerie! Ah la vache. Putain, mais ça va faire ça à chaque fois que tu touches un bar ou quoi là du coup? Oh, les souvenirs quand même au délirium ici. Ok, bon, allez. 3, 2, 1. Damn! C'est vraiment ça en fait. Putain, mais ça va le faire au Pep Gal alors. Je vais voir la meuf que j'ai chopée ici du coup. Ok, bon, j'espère que ça va pas le faire partout, ça commence à me faire peur cette histoire. Ok, ça sent pas bon. Oui, allô? Oui, est-ce que ce serait possible d'avoir un rendez-vous assez vite, s'il vous plaît? C'est très urgent. Demain, c'est possible? À quelle heure? 14h. Demain 14h, ok. Au nom de Hardy Luz. Bon, parfait. Merci, merci beaucoup. À demain. What the fuck, c'est quoi ce bordel? Bonjour messieurs, je viens vous voir parce que hier je me baladais tranquillement dans Rennes et tout d'un coup je suis arrivé devant des lieux et j'ai eu comme des flashbacks qui me rappelaient un petit peu ma vie d'avant. Quand les bars étaient ouverts, que c'était la belle vie finalement. Et voilà, et je sais pas, ça m'a fait peur d'avoir ces flashbacks comme ça. Et donc je viens vous voir parce que j'aimerais bien des réponses à mes questions. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois et ça a apparu d'un coup. Et vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Vous êtes vacciné? Oui, contre quoi? Bah, contre quoi justement? Oui, je pense. Madame, vous avez le carnet du petit? Non, je l'ai pas sur moi, vous on n'a pas un très bon suivi. Hein. D'accord, bon, c'est bien. Tu as été déjà malade au petit? Oui, une fois j'ai eu un rhume, mais je devais avoir 8 ans. Ouais, d'accord. J'ai rien à mettre sous la dent alors. Non, je suis relativement en bonne santé quand même. C'est ça. Tu as beaucoup bu l'année dernière? Seulement 3 shots par jour au moment du goûter pour reprendre un peu de force avant le concours de PACES, mais ça allait. Donc tu draguais dans les bars? J'avais l'habitude pour ça. Tu draguais, mais ça donnait ou pas? Ah oui. Tu chopais? Oui, ah oui, je peux confirmer, monsieur, je peux confirmer. Une maman qui dit ça, c'est honteux. Bon, et tu chopais quoi, en fait? Oh, je chopais un peu de tout, des... voilà, une fois, je me suis dit que j'allais faire une nationalité par jour pendant une semaine. C'est cela. Donc j'ai fait un grand chelem pendant 7 jours. Un petit tour d'Europe. Voilà. Bon. C'était très amusant. Alors on va tous glisser, déjà. Alors du cœur, à mon avis, t'en as pas. Hein, c'est pas sentimental, hein, Pépère. Allez. Ben non, fais pas de bruit, Pépère. Tu vas vite. Respire à fort. Du 33.
33. Ça suffit. Bon. Il y a du nez. Il y a un petit peu de cœur, un peu de souffle. Pas trop mou du genou. Bon. C'est le syndrome de Casanova, le syndrome du dragueur foutu, quoi. Monsieur, hein? Oui. Laissez-moi ausculter son cœur. Ah bah alors allons-y, auscultez-le. Parce qu'il faudra plusieurs avis, hein, quand même. Hein. Il a bien des problèmes de cœur, ça c'est sûr. Ah, ça c'est pas exclu. Je retourne à mon travail. Bon bah voilà, c'est une consultation à deux. Bah écoutez, plus on est, mieux je vais être soigné. Oh, oui, enfin ça, avec lui, je suis pas trop sûr. Hein. Bon, Madame le Duc, je vous laisse. Je recommande une interdiction, pas de bromure. On est d'accord. D'accord, monsieur. Un petit calmant et puis un porno tous les soirs. Bon, on se revoit dans 8 jours. Ça devrait aller. D'accord. Allez, dehors. Merci. Ne vous inquiétez pas, madame. Dès qu'il boira, dès que les bars ouvriront, ça ira mieux. Tout ira bien alors. Merci, docteur. Regarde! Réouverture des bars et des boîtes de nuit le 7 mai. Sortez couverts. C'est aujourd'hui! La chasse était ouverte. J'espère ton fusil est bien chargé. Et je parle bien de tes couilles. Allez, vas-y, il y a du gibier. Trop bien. Oh, dis-moi que j'ai pécho des meufs hier. Ah, vraie soirée. Allez, on remet ça ce soir.